J'espère que vous allez bien, ici Hauteur, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Aujourd'hui on est parti pour une nouvelle astuce. Aujourd'hui on va débloquer la paravoile Gerudo, donc la teinte. Donc vous allez devoir vous diriger juste ici dans le désert Gerudo, juste à côté de l'oasis du sud. Tac, ici vous pouvez parler à cette personne. Ok, donc là j'ai commencé. Donc il va me falloir un véhicule. C'est mieux. Donc hop. On va se faire ça. Donc vous avez plein de trucs à disposition. Voilà. C'est mieux d'avoir un véhicule ici. Donc moi mon conseil c'est véhicule ici. Et ensuite quand vous allez grimper, vous allez devoir prendre un... Oh non, il fait froid. Un morse. Donc vous avez un temps max de 30, 3 minutes 30, un truc comme ça, mais pour obtenir ce que vous voulez là, donc la paravoile, il vous faut 2 minutes 30, ça veut dire qu'en gros vous avez le temps, mais bon, faut pas non plus perdre trop de temps. Donc après, hop, vous avez normalement un morse juste ici, juste vu que je viens de la refaire, bah du coup je l'ai plus. Ah si, c'est bon. Donc c'est juste, hein, c'est vraiment juste. Mais pas trop le temps. Faites attention ici, vous pouvez tomber. Donc, hop. Non, non. Merci. Hop, l'autre côté, l'autre côté. Vous inquiétez pas, vous pouvez pas glisser totalement tant que vous avez... vous êtes attaché à lui parce que... il vous retient, vous inquiétez pas. Et donc, ouais, c'est super simple. Nouveau record. Tu es incroyable, reviens. Ok. Et donc vous avez, vous allez, pardon, récupérer la paravoile. Et voilà le tissu. Donc voilà, c'est super simple. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Juste avant, je vais vous redonner les coordonnées. Donc c'est juste ici. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à activer la cloche, c'est Hauteur. N'oubliez pas que je kiffe. Allez.